poursuivi pour homicide involontaire dans le cadre du tir mortel survenu en octobre 2021 sur le tournage de Rust, l'acteur Alec Baldwin plaidait non coupable. L'enquête vient de prendre une nouvelle tournure, selon ses avocats. Les faits remontent au 21 octobre 2021. Alors qu'il répétait une scène pour le film Rust, dans un ranch du Nouveau-Mexique, Alec Baldwin avait tiré avec une arme à feu censée être chargée à blanc et initialement présentée comme inoffensive. Sauf que la scène avait tourné à la catastrophe puisqu'une balle réelle en était sortie, blessant grièvement le réalisateur du long métrage, Joel Souza, et tuant Alina Hutchins, la directrice de la photographie âgée de 42 ans. Un véritable drame qui a secoué toute une équipe, mais également l'Amérique, et qui a donné lieu à de longs mois d'expertise, d'investigation et de plaintes différentes. À la suite de ce dramatique accident, l'acteur avait donc été inculpé au pénal pour homicide involontaire, mais ce dernier a toujours nié avoir appuyé sur la détente et plaidait ainsi non coupable comme le précisait un document transmis le jeudi 23 février 2023 à la justice. En revanche, pour pouvoir reprendre le projet abandonné, il avait accepté plusieurs conditions imposées par le tribunal, dont l'interdiction d'utiliser des armes à feu et de boire de l'alcool. Les poursuites contre Alec Baldwin ne vont être abandonnées malgré ce fait divers troublant pour les experts, la vie reprend, petit à petit, son cours pour le mari d'Hilaria, qui risque jusqu'à 18 mois de prison et une amende de 5 000 $ en cas de condamnation. En effet, en plus de regagner le chemin du tournage de Rust, dans le Montana, depuis ce jeudi 20 avril 2023, ses avocats ont annoncé, par le biais d'un communiqué, que les poursuites concernant ce fameux tir vont être abandonnées. Nous nous réjouissons de la décision de classer l'affaire contre Alec Baldwin et nous encourageons une enquête appropriée sur les faits et les circonstances de ce tragique accident, ont déclaré Luke Nica et Alex Spiro, dans le dit communiqué sorti ce jeudi 20 avril 2023. Une annonce inattendue relayée par de nombreux médias américains ainsi que nos confrères de BFM TV. Les détails de cette décision ne sont pas encore connus. Affaire à suivre, ou affaire close.